Dans musique Guinée en côté d'également qu'on fait une enquête en kin kankan on a dit d'où il y a une délégation il y a un des gens qui ont la femme et au mini et au lana on a fait ikan kankan et qui en qui met harry la ronki mini batini picadi et yo taille d'un diango donc maman dit d'où il y a une délégation n'a pas kankan délégation manika avait dit d'où à ton aïe faut qu'on manika on a vu kankan fihi de go les charges de ben kankan. Ato o ben hiu te ton, ben yo ko mama di dumbuya ne li ben. Fiyo no mama di dumbuya ne li ben, wo mama di dumbuya inni, wo himu adi tora gol balal. Honno no wen ngal balal. Tout le temps affaire raciste ya gangal ka di fino jodi roi lama. O inni be, wo mama di dumbuya ne li ben, innu gol be yobe sute lumo, fino wona kandida o election presidentiel kwarata. Hanjono ko ndura wan do fama lifeus hanjono fama lifeus donc wo ben yo wallumo bati ko biddo mabbe ko kankan o jibina ben halani motaw deja condition jidi yo yaw kadi taw o libera prisonnier politique en fof o ya o libera prisonnier ben politique ben prisonnier politique ben ko manika ben be siti der ton. Yandi do o blogger yagal communication ka réseaux sociaux mo be ndeno wala ko intérêt mo on défendata be mo be yawe ton hala e condition ko be jonno no délégation Mamadi Doumbouya be nali kasori akite be nali leader be be yona to dum foko fenande mais on yi blogger be boyalti be jetti dum be transformer déjà innogol wo ben sas be ko yawno ton ko wo be innono wo kasure nga kete selu dalay natu la gine leader be ben fo natu radio gine yottute dum fo ko fenade radio ko be woli don ko be radio kankan on tumbe woli e uddite donc do min natan communication no mo ka réseaux sociaux trop voilà c'est de be ben ko woli kon c'est différent ay non be ni joni be ni don ok ben non no ini be nani ko wala ko dum non kadi be jabali pullo hay goto jodo ka radio leñol al gotul sina kambe manikam ben non sa be beni non karin de beabe jodo war golo renio was ay goto tawono no sina hara ko kambe manikam tun kambe kape on tun kono no feji ben non inni mo joni wo condition mabbe on taw yo accutu be prisonnier be be onangi manika ben be siti damaro en be siti be a jane be siti be manika be fo joga be inde kasori wala ka donde leader be won be étranger kadi wala kadi yo natu lagina dum fo ko fenande ko wono do kareni on don contact la jodi no do fami kini hore mum ko manin kajo on fami voilà mi da non kadi jetto gol vocal ma ko mi figina ka réseaux sociaux pati wo be haray dum wala tabe donc ben no yini joni o Mamadi Doumbouya yini o problème o ala o yaki tay ben leader be wakitaybe ben non innimo wobe holota ko mo batiko bandiru ko criminel jay goto holota ko mo ben innimo Mamadi Doumbouya holota ko mo yo accutu ben taw Mamadi Doumbouya inni wo onani dun don wo deja mo halando be ko be halduno ko fop he mi halani no ngila ne bi minni siko manin ka je wonno position selu dale hande hande ne Mamadi Doumbouya hino election akitino ya hino election organize no election ne bi Mamadi Doumbouya inni be inni wo ko be halduno kon be wadi dum o yin jaka be haldino en tant que be bali manin kajo mo be wata remplacer gole Mamadi Doumbouya hara se vota na malagina o perdata election wo Mamadi Doumbouya ta organise election en tant que be bali leader jo manin kajo wa wo do darano gol contre présidentiel lu dalen ta election organise onani ko be ali kon Mamadi Doumbouya inni do wo hanjoni kanko ko don o woni so hebali leader jo manin kajo wawo argol darano contre selu dale leñol fulbe be dara selection organisa mo ko kambe gagnoto wo Mamadi Doumbouya inni wo akita talam gum jonnugo lamu gum fulbe be est ce qu'on fami moja ok bay non dum riri don joni benni joni wo be yaw yottina gal lelal e Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya kanko inni wo kanko si be soutenali mo himo preferi wongol kalamu
maninka ben ta hulu fus yobe jokuma be sutena no ben no kadi ni batina goddo mo goddo tagado neddo wolo gonga ben ni on tanki akitali be maninka be be osoki kakaso ati ben bonna fus koni osokirbe koni osokirbe kanko non kadi o ni oso akitai men no o joni condition so akiti ben ben wonata lagine ben ko yaltu lagine completement wono radiri sidia e selu dalen ni kanko mo sukude so radike ben o jodoto imposa dictatorial ma kongal ben no yini joni so respectali dum si 31 decembre on hewti jama on si revoltoy do maninka joy ko to immota ko jokkamo wallamo aw ko don be haadi kon difficulté no mamadi dum biya mari tellema lagina musibe gine gine fame moya strategie etnikom e fala wadde joni yeso men ene non communicant blogueur communicant blogueur ko ardo waden do campagne de sensibilisation ka réseaux sociaux tangio do de sibe wadi goddum ko en yalto kisan hala ne jama hala ne fulbe men fo anda ko be woni plan ko be woni wadde kon joni non sibe créer stratégie go gentelan gentelan stratégie ko créer fondo do kon ibe yey ka école primaire ji gente de be ben système sécurité on be fal article o stratégique quand sugo lengol fulbe fino fo metira lengol fulbe ben on yi ka do mama ko do e ko délégation ko yano kankan kon o inni be wosi be soutenir mo ami egitino do wosi be soutenir mo wo himbe ko ko lansana konte warono ko tande jara coup d'état o mamari dumbu ya inni carrément wo o vanza e lengol maninka ben fo commerçant lagine économie mbudi lagine din commerçant wo getta kadi fo o wada ka disposition maninka ben on fami getta fo kadi wada ka disposition maninka ben wo coup d'état jara on kadi waray wargo règlement de compte kanko e soso ben yo andi coup d'état non jara ko maninka ben warno maninka ben pour soutenir le fait général Lansana Conté. C'est le malinké qui avait tié de malinké pour le fait général Lansana Conté. Donc o af stratégie ethnique etno o fala wa de yeso fino be walira mo jodo kalamu me he mamadi dumbu ya me ni ma si ben ma no fala mamadi dumbu ya si tibe il faut enlever des sacrifices il faut aller acheter des vases rouges là tes gorges là tu enlèves sacrifice tu vas partir tu vas pas rester on te dit ça là tu ne crois pas hein? Ok joni no nouvelle stratégie ko be mini do be yade be ginda ka école primaire gi ka der futa jalo gentelan très bien de écouter moi très bien on en fulbe be wadde stratégie be ya ka école primaire gi ka futa jalo be getta l'hymne national guinéen be modifia l'hymne national guinéen be wada dum e hala pula o l'hymne national guinéen non ko be woné modifié do be wahala e be wola pula ko dum be fala yettugol kadi be wadira campagne wano tandal fa konde ko be nono wo selu dalen empoisonné diana kon système go kadi be woné invente gol fe dodo on l'hymne national non ko eko pay ko ko futa jalon kon daro be tawna drapeau be wola l'hymne national guinéen be wola do hala pulal aw ko dun kadi be fala jittugol joni après be wado ya campagne innu gol do si selu dalen la moy ke do hay hala lagine fo be sansay lagine haray ko pulal woloyte aw ko on stratégie be organiser fe dodo. On va écouter ça ensemble. Donc, on va être très, on est vigilant, très attention. La stratégie ethno-fala-wade. On y est, on a un jami, koléato. Mais voilà, une fois, fi o jami, koléato. Mais ni mis, miye la Guinée. Chaque vendredi, je ne prie pas à la grande mosquée. Depuis le vieux là, ma dessus là. Mais voilà, on a donc à l'aïfando. Ça fait plus des années. Mais je partais tout le temps dans la mosquée de Malinké là, qui se retrouve à côté de route Niger là, à côté de lycée Koléa là. Mosquée Kébéa ou quoi là, chez les Malinké là. Mais là-bas, on ne parle pas de politique. Hein. Là-bas, il n'y a pas de politique, c'est la prière seulement. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas, il y a des djami, il y a des fals, il y a des gens qui ont été en train de se be maninka be yenni mamadi dumbuya to ha o hirsi o yayi o yalti on t'a dit mais ala ni aujourd'hui c'est les malinké même qui te détestent plus que toutes les autres ethnies même parce que tu n'es qu'un voyou délinquant tu n'es qu'un bandit donc le stratégie que vous êtes en train d'organiser là
La délégation qui était amenée à Cancan, là, Mamadi Doumbia. Hier, j'avais parlé de ça dans mon direct, comme il faisait tard là. J'ai expliqué aux Guinéens là que je vais venir rentrer dans les détails. Qui a amené une délégation à Cancan, composée seulement de l'ethnie Malinké. Dans cette délégation-là, tu les as dit que tu es leur fils de Cancan, tu es né à Cancan. Ils n'ont qu'à te soutenir comme ça, tu vas avoir la priorité de devenir candidat aux élections prochaines. Maintenant, ils t'ont posé des conditions. Que si dans ce cas-là, il faut libérer les prisonniers politiques malinqués que tu as détenus en prison. Et là-bas, ils n'ont pas mentionné le nom de Kassori, ils n'ont pas mentionné le nom des autres personnes. Ils t'ont dit, deuxième condition-là, il faut que tu ouvres les médias que tu as fermé dans Cancan. Ils n'ont pas dit les médias de la Guinée. Non. J'ai entendu des gens dire qu'ils ont dit les médias guinéens là. C'est faux. Ils ont mentionné seulement les médias qu'il a fermés à Cancan. Mamadi Doumbouya les a dit aussi que quand ils vont nous soutenir dans sa candidature là, le coup d'État de Diarra Traoré là, il dit ce que l'ancien Conté avait fait aux Malinké là. Mamadi Doumbouya a dit qu'il va venir venger les Malinké. Écoutez l'esprit de ce criminel, de ce Satan-là. Parce que là, il est en train de chercher pour manipuler l'esprit des Malinké. Parce que il dit maintenant qu'il va venir venger les Malinké, que le feu général Lansana Conté a tué le coup d'État de Diarra Traoré. Et on connaît, nous tous, on connaît la vérité. Le coup d'État de Diarra Traoré, là, quand ça a échoué, là, l'ethnie même qui présentait les gens là pour le feu général Lansana Conté là, c'était des Malinké, non? C'était les Kabassan là, non? Vous vous rappelez de l'histoire? C'est les mêmes Malinké qui partaient égorger les Malinké à cause de l'ancien président de la République, feu général Lansana Conté. Lui, il dit qu'il va soutenir, il va les aider pour se venger de ce que Lansana Conté a fait au Malinké, coup d'État de Diarra Traoré. Troisième chose qu'il a dit à sa délégation qui est venue à Cancan, il dit après ça là, le pouvoir économique, qu'il va prendre le pouvoir économique là, marché, tous les contrats de marché là, du commerce en Guinée, il va remettre tout dans la main des mandingues. Les gens là ont dit carrément qu'ils n'ont pas confiance en lui. Écoutez, il dit carrément qu'ils n'ont pas confiance à Mamadi Doumbouya. Ça l'a tellement énervé encore. Hey, Mamadi Doumbouya, tu ne peux plus tromper quelqu'un. Donc autant souci n'en fallons pas, autant n'aurait pas l'empalama, souci n'aura pas l'empalama. On m'a dit Doumbouya a rien à délégation n'a pas encore un crash de cancan. Où tout le monde idée? N'en fallait rien. Et a soutenu, a fini de candidat parce que et a dit nanara, cancanara, bari que cancané. Ni n'aura be. A gelimani ne rena gelimani na maninke e mu kaso regli fala e mu mbete yo regli fala meni fo gelimani mane gelimani maninke ne rena gelipi ara naira bolo anu naira bolo fan a radio bangi ne re balanga kankan kui ara na radio bangi fan nabi Mamadi Doumbouya naga a bara me la nagama hanto anana na bafe misena nara Jaha elanga nama antang atang manike elanga nama antang ke Mamadi Doumbouya mo leader manike soto na no matide selu dalen kanke pour combattre selu dalen aux prochaines élections présidentielles et qu'il soit sûr et nous ga élection c'est le Malinké là qui va gagner à la place de selu dalen. Ils avaient fait des accords, ils ont dit à Mamadi Doumbouya de ne jamais organiser les élections. Écoutez l'esprit de ces gens ethno là. De ne jamais organiser les élections. J'ai dit tout le temps dans mes vidéos ici, là, si c'était un Malinké qui était à la place de Sélou Daré, Mamadi Doumbouya n'allait même pas faire 6 mois au pouvoir. Il allait organiser les élections. Quand on vous dit que les gens là, c'est des vrais ethnos là, les premiers ethnos de la République de Guinée, c'est l'ethnie Malinké là. Il y a beaucoup qui vont se fâcher. 90%, 90% des Malinké qui sont en Guinée là, c'est des vrais ethnos. Écoutez, maintenant, Mamadi Doumbouya l'a dit, il dit carrément, donc ils avaient fait une réunion depuis avant, en tant qu'on n'arrive pas à trouver un vrai leader qui va faire face à ces lourdes. Il ne faut jamais organiser les élections. Mamadi Doumbouya n'a qu'à tout faire, se maintenir au pouvoir. Donc Mamadi Doumbouya les a dit carrément que ceux qui ils se sont mis d'accord avant là, jusqu'à présent, ils respectent ça. Mais de fait qu'il dit qu'ils n'ont qu'à lui soutenir sa candidature,
qu'il va laisser les prisonniers malinqués qu'il a mis en prison là, ou ils vont quitter la Guinée après là. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est d'accord, qu'il est d'accord. Quand il va laisser les prisonniers malinqués qu'il a arrêtés, ils n'ont pas cité les Kassori, qu'il va les laisser, ils vont sortir. Mamadi Doumbouya dit qu'ils ne pourront pas rester en Guinée, il faut qu'il quitte de la Guinée. Parce que la Guinée est devenue, pour lui et son père et sa famille, la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya maintenant. Vous avez vu ça? Maintenant, il a dit encore qu'il va venir maintenant venger tous les Malinké sur le coup d'État de Diarra, ce qui s'est passé au temps de fait général Lansana Conté. Mamadi Doumbouya a dit à cette délégation qu'il va venir les venger, il va venir venger les Malinké, que le fait général Lansana Conté a tué autant de coups de Diarra Traoré là. Il dit encore qu'il va prendre monopole du commerce là. Économie de commerce là, il va remettre dans la main des mandingues. Mais les gens là ont dit qu'ils n'ont pas confiance en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Parce que comme Mamadi Doumbouya, c'est donc 31 décembre là, ça va chauffer sur lui là. Les Malinké là aussi, les chefs de cancan l'ont dit. Si tu ne fais pas ça à l'air là, tu laisses les gens là, ils vont rester à Conakry là. Les médias qui étaient fermés à cancan là, tu vas ouvrir les médias là. Hein? J'ai vu des gens qui ont dit, ils ont dit dans leur communication là, que tous les leaders qui sont à l'étranger et les autres là, c'est faux. Ils n'ont pas, la délégation qui est venue là, les sages de Kankan n'ont pas mentionné ça dans leur discours. Ils ont dit seulement de libérer les Malinké que Mamadi Doumbouya a déposés à la maison centrale. C'est tout, hein. Donc d'autres ont pris ça, ils ont modifié, ils ont augmenté là-bas, ils ont dit les leaders vont rentrer. Les médias, ils vont ouvrir les médias, c'est archi faux. Ça n'a pas été dit dans la conclusion là. Jamais. Parce que moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était là-bas, qui a fait semblant qu'il était malinqué. Ils n'ont jamais parlé de ça. Seulement, ils l'ont dit de ne jamais organiser les élections en tant qu'ils ne trouvent pas un grand leader qui va faire face à Sélou Dalein. Vous savez, Kouyaté ne peut pas faire face à Sélou Dalein. Ousmane Kaba ne peut pas faire face à Sélou Dalein. Comara ne peut pas faire face à Sélou Dalein. Même Mamadi Doumbouya ne peut pas faire face à Sélou Dalein aux élections libres et transparentes. Troisième condition, il dit qu'il va remettre le commerce, affaire de commerce là, il va remettre tout dans la main des Malinké, dans les mains des Mandingues. Vous avez l'esprit de vengeance que les gens là encore, une culture de haine qu'ils ont dans leur tête parce que Mamadi Doumbouya a échoué. Ils ont dit à Mamadi Doumbouya, s'il ne laisse pas les prisonniers Malinké là, ils ne respectent pas les conditions qu'ils ont posées. Que d'ici le 31 décembre, s'il y aura un soulèvement populaire là, ils ont dit que Mandingue et le Malinké là ne vont pas lui soutenir, ils vont lui laisser. C'est dans ça que Mamadi Doumbouya, c'est dans le problème là que Mamadi Doumbouya se retrouve aujourd'hui. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les gens, les sages de Cancan ont dit qu'ils n'ont pas confiance à lui, que c'est un menteur, que c'est un bandit. Parce que lui, il veut le prendre en vitesse. Ils n'ont qu'à valider sa candidature dans Mandingue là. Après, maintenant, il va laisser les prisonniers là. Les gens là ont dit jamais de la vie. Et dit Mamadi Doumbouya, moti là là. Maintenant, quelle stratégie ils sont en train de préparer encore contre l'ethnie Peul? Dans Fouta Diallo, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont calculé encore? Ils ont pris l'hymne national guinéen. Ils ont pris l'hymne national guinéen. Dans Fouta Diallo là, ils vont arriver dans les écoles primaires au Fouta Diallo. Ils vont faire réciter la hymne nationale de la République de Guinée dans la langue Peul. Qu'est-ce qu'ils veulent préparer là? C'est pour partir dire après là, si Sélou Dalein devient président, il va changer même la hymne nationale de la Guinée, il va changer même la langue guinéenne en République de Guinée. Ils vont imposer aux gens d'étudier, de parler la langue Peul. Vous avez vu l'esprit que les gens, les satans là, ils ont dans leur tête. C'est le deep, c'est ça qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. Maintenant, Dedo, pour lancer l'information, il dit de le soutenir comme ça. Même ceux qui ont tué ça dit Diarra Traoré et ceux qui ont tué les Malinké là au coup d'État de Diarra Traoré là, c'était des Malinké, non? C'était les Malinké qui ont assassiné les frères, leurs propres frères Malinké pour le fait général Lansana Conté. Ils étaient tous des Malinké, de l'ethnie Malinké. Maintenant, ils ont pris l'esprit là maintenant pour aller dire aux enfants de Fouta Diallo de chanter notre hymne national, mais dans la langue Peul.
Ça, là encore, c'est pour aller dire, ouais, vous avez vu ce que les peuples sont en train d'organiser encore. Mais nous avons dit qu'il faut le bien organiser de conjoint. Haïdjoun a l'hymne national guinéen. Haï, c'est le lama qui t'a. Kudumbi wone getu golfe ndodo be yaltina kadi fi ko be no gol nyande selu lami o ko dum himoyde donc ko en immo waden attention classe mafia ko be ar organise gol o fi contre leñol pullo ko en yalto do dénoncer en temps réel jente do ko be woné préparé de kon be yaay der futa jalon ko école primaire di ben na pay koy koy yo tonu drapeau kambe be daro be tonu drapeau mais l'hymne national on hime e hala pour c'est-à-dire kahala men jente ko be woni préparo ne dare vidéo te beno yurmi Donc, vous avez vu ce qu'ils sont en train de préparer déjà contre l'ethnie Peul. C'est le même système où ils avaient dit que Selou Dalein avait empoisonné l'eau. Et ça, là, c'est un autre système encore. Il nous dit, quand Selou sera président, même l'hymne national là, de la République de Guinée sera changé par le président Selou Dalein. Donc, on complot, on est préparé dedans. Parce que là, Mamadi Doumbé est en train de chercher partout où mettre sa tête. Il n'y a pas de solution. Malinké n'a pas confiance en lui. Soussou n'a pas confiance en lui. Peul n'a pas confiance en lui. La forêt n'en parle même pas. Donc, il faut faire autant de choses. 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 Il faut faire tout le temps de faire autant de choses. Il faut faire imam oui mais anaga di yonu mamadi dumbu ya t-shirt tongo ou mi ya t-shirt tongo ara gourama. Avec 50 000 francs guinéens, Aradi nous, Aradi on nous naraba à Dankamane. Et en Aradi na faute ta, millions de dollars na doma, et nous qu'il autant utiliser des FI 50 000 francs guinéens tongo et soi, on a t-shirt sarare tongo ara goroma. Obara imam bui meka, Aradi on nous naraba la Guinée qu'il va maudire son enfant. L'imam là il a été clair. Il ne faut pas que Mamadi joue, Doumbouya joue avec l'esprit des Guinéens. Vous comprenez? Il va prendre des t-shirts, organiser, remettre aux enfants Soussou avec 50 000. 50 000 peut changer la vie d'un Guinéen. 50 000 francs guinéens, c'est 5 euros. Ça peut changer la vie d'un Soussou. Ça peut changer la vie d'un Peul ou d'un Malinké ou d'un forêt ou d'un forestier. Non. Les gens là, comme ils ont vu que maintenant, ils vont, Mamadi Doumbouya a des difficultés. Écoutez bien. Jusqu'à il arrive à dire à la délégation qui est arrivée à Cancan là, qu'il va venger toutes les personnes, tous les malinqués que feu général lance en compte à assassiner. Lorsqu'il y a eu le coup d'état de Diarra Traoré, là, regardez l'esprit satanique là. Qu'il va venir venger tous les malinqués contre les Soussous qui ont assassiné Diarra Traoré, qui ont assassiné l'ethnie malinqué. Toutes les personnes là qui ont attrapé Diarra Traoré le jour là, qui ont assassiné les gens là, ils étaient tous de l'ethnie malinqué. Vous connaissez l'ancien préfet de Labella, le Satan là, Madi Fingiane. C'est lui qui était l'agent secret numéro un, non? C'est lui-même qui avait aidé le feu général Lansana Conté même à égorger même les Malinké contre, pour le feu général Lansana Conté. Il y en a plein d'autres. Cannibal, qui avait assassiné Cannibal? C'est pas le même clan là. Donc, Kodun Imotoron, femme ont très bien stratégie, que on est Wadango, l'ignore pour le faire. On y a l'hymne national. Il y a des utilisés, les enfants de Fouta Diallo, les enfants de l'école primaire. On les fait chanter la hymne nationale dans la langue Peul. C'est pour préparer un jour, pour coller c'est-à-dire le problème ethnie, ethno là encore, ethnie contre Selou Dalein. Pour dire, vous avez vu. Selou Dalein n'est même pas devenu président d'abord. Ils sont en train d'organiser dans le Fouta Diallo l'esprit ethnique. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ils ont même modifié la ligne nationale dans la langue peule. Ces campagnes-là qu'ils sont en train d'organiser, comme ce qui s'est passé en 2010, ils ont accusé le président Soldalen qu'il a empoisonné l'eau, avec la complicité de Faye Jean-Marie Doré là, et les Sékouba Konaté là. On connaît comment l'histoire-là s'est produite au palais du peuple. À l'époque, même dans le radio-espace là, les gens qu'on avait promis de l'argent là, ils sont partis déclarer à l'hôpital Donka. On les a interrogés, ils ont dit que ça a été des deals. Ils n'ont qu'à dire que Soldalen a empoisonné l'eau. On devrait remettre chaque personne 15 millions, 16 millions de francs guinéens. Et les gens-là n'ont pas reçu l'argent. Ils sont sortis dans Radio Espace. Ils ont dénoncé même qu'on les a dit de dire qu'ils ont mal de ventre. D'autres même sont en train de mourir. Vous vous rappelez, Effet Jean-Marie Doré était dans la mafia là. Fait Jean-Marie Doré était dans l'histoire là. Rappelez-vous très bien de l'histoire là. Donc ici encore, après ça encore, ils ont dit maintenant que Sélou a empoisonné l'eau, ils ont mélangé les peuls avec les Malinké. Là, c'est le même système qu'ils sont en train de préparer ici. Si Mamadi Doumbouya lui peut amener une délégation jusqu'à Kankan, dire que si lui, on le soutient, sa candidature, les gens qui ont tué Diarra Traoré, vous avez vu l'esprit de vengeance. On vous dit que les gens là, c'est des vrais ethnos, les Malinké là. 90% de l'ethnie malinké en République de Guinée, c'est des vrais ethnos. Les 10% là qui ne sont pas ethnos. 90% affaire de pouvoir là. Et puis, ce qui me fait mal dans ça, les sages qu'on disait qu'ils ne soutiennent pas Mamadi Doumbouya, ils avaient même causé dire à Mamadi Doumbouya, en tant qu'il ne trouve pas un grand leader qui peut faire face au président Soldalen aux élections prochaines là, de ne pas organiser les élections. Vous avez vu tout ça là, c'est les karmas de Dieu. C'est le travail de Dieu qui ont poussé ça, le secret là est sorti au dehors. Nous, on avait dans l'esprit que les gens de Kankan n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Or, tout est faux. Vous avez vu, c'est eux-mêmes qui ont conseillé à Mamadi Doumbouya de ne jamais organiser les élections en tant qu'ils ne trouvent pas un grand leader malinké qui va faire face à ces loups. Vous avez vu ça? Et nous, dans notre cinéma, là, on disait tout ça, les gens de Kankan sont braves, ils n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Or, ils avaient même organisé ça. Mamadi Doumbouya, dans sa délégation, il les a dit que ceux qui se sont mis d'accord avant là, qu'il tient ses promesses là, en tant qu'il n'y a pas un leader malinké qui va remplacer Mamadi Doumbouya, qui sera populaire comme c'est Soldalen, de ne pas organiser les élections. Dans le cas contraire, Mamadi Doumbouya n'a qu'à se maintenir au pouvoir. Mais si Mamadi Doumbouya n'arrive pas à respecter les conditions qui lui ont été posées là, libérer les Diané là, les Damaro là, les autres là, qui ne vont jamais le soutenir après le 31 décembre. Ils l'ont mis en garde. Si ça commence, si tu ne respectes pas les accords là, d'ici le 31 décembre, là, Mandeng ne va pas se lever te soutenir. Donc vous avez entendu ça. Maintenant, en même temps, ils sont en train de préparer l'esprit de séparation entre les Malinké et les Peuls. Ils sont en train de rentrer dans Fouta Diallo, imposer aux enfants de l'école primaire là. Ils vont faire monter le drapeau là, mais ils vont les dire de chanter dans la langue peule. On y qu'on n'est qu'à organiser quoi. On va écouter encore pour une dernière fois. Vous pensez que vous allez venir manipuler les gens ici? Nous sommes là pour vous. Himendo pour vous carrer. Regardez. Hein? Regardez. 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 C'est la vidéo là qu'ils vont préparer après. Ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux. On y yen no do a yenene Mamadi Doumbouya. Ala on ko yen na li nene Mamadi Doumbouya. O yi mi ke ka di kankan. O yay han kakan. Samori. Pale mon médecin. O yi diye Mamadi Doumbouya. O yi wiri Mamadi Doumbouya. Yon di ndoura wano ko yen na yon ful bebe ndoko. O yi mi o yay ka di han kakan.
o hiwri Mamadi Doumbouya, o inni Mamadi Doumbouya kan woni ɗo ta organise élection wonu ka laamu ɗo, on yi ka esprit maɓɓe on, on la yalti ka réseau sociaux ɗo, o yenni nene Mamadi Doumbouya yeeso lagine fop. Il est sorti sur les réseaux sociaux ici. Il a insulté la maman de Mamadi Doumbouya devant le monde entier. Il est quitté Cancan jusqu'à Conakry, rencontrer même Mamadi Doumbouya. Est-ce que Mamadi Doumbouya l'a arrêté? Est-ce que Mamadi Doumbouya l'a assassiné? Est-ce qu'il a été arrêté? Mo Fassori est où? Mo Fassori, par rapport à quelqu'un qui a insulté la maman de Mamadi Doumbouya ici, dans les réseaux sociaux, devant tout le monde, il y a les vidéos qui existent jusqu'aujourd'hui. Mais lui, il s'est déplacé à aller voir Mamadi Doumbouya jusqu'au camp, tendre sa main à Mamadi Doumbouya. Seulement Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait, il n'était pas content. Même en regardant le visage de Mamadi Doumbouya, tu allais comprendre qu'il n'était pas content de lui. Parce qu'il n'y a même pas accordé, même 5 minutes. Il y a salué, il a tendu la main, Mamadi Doumbouya n'a pas souri. Mamadi Doumbouya était avec Bala Samoura. Vous avez vu la vidéo là? Il était avec Bala Samoura. Il a tendu sa main, ils n'ont même pas fait une minute. Il parlait, Mamadi Doumbouya ne voulait pas l'écouter. Mais est-ce que Mamadi Doumbouya l'a arrêté? Est-ce qu'il a été déféré à la maison centrale? Non. Vous avez vu l'esprit d'ethnie, d'ethnocentrisme que les gens là ont dans leur mentalité? Maintenant, il amène l'esprit de vengeance contre les sous-sous maintenant. Il faut que les sous-sous soient là. Regardez ça aussi. Pour vous dire que les gens là, ils ont l'esprit de l'ethnie là. Regardez. L'esprit de Malinké là. Hein? La Guinée, on va se lever cette fois-ci là pour bannir ça. Écoutez. Hein? Écoutez encore. Hein? Écoutez encore. Écoutez. Les ethnos là. Écoutez encore. L'esprit d'ethno. Écoutez. Hein? Tout le temps l'esprit d'ethno là. Gente. Ils parlent même de Kanka encore. Ils vont le soutenir 100% parce qu'il est malinqué. Écoutez, l'esprit de Malinké là, l'esprit ethnique là, Bara technique, des vauriens comme ça. Techniquement. Bara brefanaye, ou moyen. Donc, même l'autre en a. Bara brefanaye, mais, voilà. Il dit qu'il y a. Vous avez entendu ça? Il dit Bara brefanaye. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit qu'il peut accompagner Mamadi Doumbouya techniquement. Mais après ça, là aussi, pour un autre d'autres travaux encore, travail aussi, qu'ils ont des gens, ça c'est pour aller peut-être la manipulation, aider Mamadi Doumbouya à assassiner les gens. Écoutez très bien, il disait ça en Malinké aussi. Écoutez. Union des jeunes de Nabaya. Nabaya. Union des jeunes de Nabaya. Non. Il était à Paris, hein, le chômeur là, le vaurien là. Donc, qui mangeait des RSA en Paris, à Paris. Il est le coordinateur, il est le coordinateur. Écoutez,
Donc, Nico Nikera, on peut faire un airflow en unité. Quand on a de la disposition, quand on a dit qu'il y a un peu de temps, on a dit qu'il y a un peu de technique boulot. Techniquement, ils ont les gens. D'autres travaillent aussi. Le sale boulot, ils ont ça aussi pour l'aider. Donc, je vais m'arrêter ici, comme il est tard là. On familie les stratégies maintenant. Quand on vous parle que lui là, les gens là, Mamadi Doumbé est un voyou. Vous avez vu, le vendredi passé, il s'est déplacé pour aller faire la prière à la mosquée de. Sur la mosquée qui se trouve et qui se retrouve vers la route de Niger là, côté de lycée Coléa là. Vous savez, la mosquée là, c'est la seule mosquée que j'aime dans. Ça dit en Guinée là, c'est la seule mosquée qui me plaît parce que quand il rentre là-bas, on ne parle pas de politique là-bas. Moi, quand je partais en Guinée avant là, chaque vendredi, demandez mon chauffeur là, Moussa Jakarta. Chaque vendredi, c'est là-bas qu'il m'accompagnait pour aller faire la prière. Je ne priais pas à la grande mosquée à cause de ce vieux là. Parce que depuis le vieux là, j'avais commencé à le détester parce qu'il ne disait plus la vérité dans l'islam. C'est la mosquée qui se retrouve vers la route de Niger là, à côté de lycée Coléa là. C'est là-bas que je partais faire ma prière. Maintenant, le bandit s'est déplacé pour aller là-bas. Regarde comment il a été humilié là-bas. Mais hersinimo, beyinimo. Beyinimo abila koron. Wo hersata. On t'a dit à Malenke ko moro kolonedi, mo moro kolonedi. Quand on dit à quelqu'un à Malenke la moro kolon, c'est comme il faut aller même te jeter au cinquième étage même. Ko moro kolonedi, kolombali ledi Mamadi Doumbé. On t'a dit à la mosquée, hein? Tu peux pas toucher quelqu'un là-bas. Wa ta mi mbwa goto ka jamioto. Donc, Fendodo, on est à Google, que l'esprit ethnique, fille, soutenir. Personne ne va te soutenir. Tu n'es qu'un voyou. Tu ne peux pas assassiner Sariba Koulibaly. Tu es Célestin. Hein? Tu es l'autre là aussi à Cancan. Ce n'est plus affaire de Malenke ici là. On sait que tu es un mytho. Tu es un psychopathe délinquant, Mamadi Doumbouya. Maintenant, tu veux faire le système d'ethnie là maintenant pour te faire protéger par l'ethnie Malenke. Hé! Hey. Atina la benna, ça ne peut pas marcher. Ce que tu as fait au Malenke aujourd'hui, tu as humilié Alpha Condé. Alpha Condé, tu as entendu ce que ils t'ont dit là-bas, Cancan, les sages. Ils t'ont dit ce que tu as fait Alpha Condé là. On ne peut plus te porter confiance. Non, il faut qu'on te soutienne d'abord, après tu vas laisser les autres là. Ils t'ont dit non. Alkafole, quoi ta, quel, quoi malai là. Ils n'ont pas confiance à toi. Quel est le fou qui va avoir confiance à toi? Quel est le fou, un sanguinaire comme toi? Donc, portez-vous bien et partagez le live là dans tous les groupes. On se reprend demain. Maintenant, on a full be wado avec la communication, les réseaux sociaux. Son ici Fadi Pigi, arrêtez-nous, expliquez aux Guinéens, rentrez dans les détails. Parce que ce qu'ils sont en train d'organiser dans Fouta Diallo maintenant, c'est pour aller utiliser les enfants de Fouta Diallo, les faire chanter la hymne nationale dans la langue peule. Ils sont en train de préparer le terrain d'ethnie aussi pour soutenir Mamadi Doumbouya. Et là où nous sommes là, je connais la politique. Il y a d'autres aussi qui connaissent la politique plus que moi. On ne va pas vous laisser rentrer dans les zizanis là. C'est fini ça. Bande de nullards que vous êtes, des phénomènes au hasard comme ça là. Regardez encore. Vous pensez que vous allez venir nous tromper ici. Ça c'est fini. Maintenant, regardez les criminels là qui ont fui la Guinée. Ndaredo. Tous les six là, ils sont tous des Malenke. Ils ont fui pour le décret de Mamadi Doumbouya. Regardez. Ils ont fui le décret de Mamadi Doumbouya. Tous les six là, ils sont tous de l'ethnie Malenke. Oh, je vous ai dit que Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Mamadi Doumbouya est égal à la France, à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle vous a dit carrément que la France n'a pas d'amis. La France, c'est un pays d'intérêt. Mamadi Doumbouya est comme ça. Mamadi Doumbouya n'a pas d'amis. Mamadi Doumbouya est un homme d'intérêt. Regardez, ils sont tous Malenke. Ils ont fui. Ils ont fui le décret de Mamadi Doumbouya là. Six personnes là. Vous avez vu, même Amara est dedans. Même Amara. Regardez les six là. Regardez même l'autre là. Il dit qu'il prie. Il a prié jusqu'à son front là. Il est devenu tout noir. L'esprit satanique. Regardez. Des délinquants ethno comme ça là. Vous allez voir. Vous pensez que la Guinée appartient aux Malenke? Donc, portez-vous bien, partagez le petit live dans tous les groupes. On a une idée, esprit de Kobefa Lakon.
utilise gol futa jalon faibe ben der école primaire himina be lim national no innu gol do selu dalen joni si handicap lamungu o sans ay lim national o sans ay hala kan lagine kon esprit be fala utilise gol goni contrôler l'engol fulbe ben si non donc adi wi do himbe buino no dalan do ka whatsapp ajana la vocal ji yo andi ono fulbe si goddo fulbe gono ton si goddo teddini on teddinta goddo si mi wadi do video live mimi forsa ay goto mo ndaro video mo hidi wo yo ndaro mo hida o tandaro en deuxièmement tan ar hala ngolan o video si wadi dum do yahay avantage mamadi dumbuya yahay avantage mamadi dumbuya on anda ko enete campagne de déstabilisation politique on fama politique donc mi windani mi wolani manane mi siki a fami don donc partage o video kan der groupe ta adana dum si fadi message ande kadi mi bloquete kom wadi video do lan andi kon woné wadde kon lan andi stratégie politique koy nété donc en jango.